Comme leurs ancêtres, les sangliers, les cochons sont bien adaptés à la vie en forêt. Laissés en liberté, les cochons forment des familles très soudées et les porcelets vivent aux côtés de leur mère durant plusieurs mois. À l'aide de leurs groins et de leur odorat très développé, ces animaux à l'œil malicieux aiment explorer les sous-bois à la recherche de racines, de larves ou de tubercules. Ils sont aussi propres et soignés et protègent leur peau contre les parasites et le soleil en se baignant dans la boue. C'est plutôt malin. En fait, des expériences scientifiques ont montré que les cochons comprennent le fonctionnement d'un miroir et peuvent aussi battre des chiens et certains chimpanzés à des jeux vidéo conçus exprès pour eux. La viande de porc est la plus consommée dans le monde. Pour cela, les truies sont inséminées deux fois par an pour mettre au monde des porcelets. Elles sont généralement élevées en groupe dans de vastes bâtiments d'élevage qui ressemblent à des hangars. Dans ces bâtiments, la température et la ventilation sont sous contrôle. Les truies sont bloquées en cage durant environ un tiers de leur vie, pendant une partie de leur gestation et pour la mise bas et l'allaitement. Dans ces cages, les truies ne peuvent pas s'occuper de leur porcelet, ni même faire un pas ou se retourner. Elles présentent souvent des troubles du comportement nommés stéréotypie. Ces troubles sont fréquents chez les animaux captifs. Ils indiquent un état de mal-être chronique. Les porcelets têtent leur mère à travers les barreaux avant d'en être séparés à l'âge de 3 semaines. À la naissance, les porcelets subissent des opérations douloureuses pratiquées sans anesthésie appelées soins. Coupe de la queue et des testicules, limage des dents. Ces animaux intelligents et curieux sont alors placés dans des enclos en béton pour y être engraissés jusqu'à l'âge de 5 à 6 mois. En France, on élève environ 23 millions de cochons chaque année. 95% de ces animaux vivent en élevage intensif dans des bâtiments fermés.